Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo aujourd'hui avec Vincent. On espère que tu te portes pour le mieux pour ce tuto défense. Vidéo ultra importante aujourd'hui les gars, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que niveau défensif, ce FIFA 23 est actuellement très difficile à prendre en main. Aujourd'hui on va te montrer nos petits tips, nos petits conseils, nos astuces qu'on utilise pour mieux défendre. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains tutos et surtout ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent sur FIFA 23, des vidéos tous les jours sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui les gars, on va diviser cette vidéo en plusieurs parties. La partie gameplay, la partie clip, on va te montrer des petits clips, on va décortiquer tout ça. Donc voilà, c'est une vidéo qui va peut-être être un tout petit peu longue, mais c'est vraiment important que tu restes jusqu'au bout. Ouais. Avant qu'on commence, la première chose qu'il faut que tu saches, surtout si tu joues à FUT, c'est qu'il faut faire les tactiques perso. Alors là du coup on est sur le compte Xbox, sur la vidéo en fait on met des chaînes, enfin on met des vidéos sur la chaîne secondaire. Là tu vois on peut voir qu'on a fait Messi joueur du mois, mais aujourd'hui on va s'attaquer en fait aux tactiques perso. Juste avant de rentrer niveau gameplay, c'est très important de mettre des instructions à tes joueurs. Là comme tu peux voir, c'est des tactiques qu'on a mis pour cette formation, le 4-1-2. Mais le plus important défensivement, ce seront les instructions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dicter tes joueurs ce qu'ils doivent faire in-game. Par exemple, les latéraux, on met toujours rester derrière en attaque. Tu veux pas qu'ils soient en rejoignant l'attaque, parce qu'après, sinon, ça va te donner beaucoup de trous défensivement. Donc, ça sera très important de mettre des instructions, rester derrière en attaque à tes latéraux. Là, tu peux voir que j'ai mis aussi à Seko Fofana, rester derrière en attaque, couvrir centre. Très important, et ça sera la même chose pour un Frankie de Jong, rester dans l'attaque. Là cette fois-ci ça sera couvrir elle. Et enfin pour le milieu de terrain, ça sera Renato Sanchez. Comme il est un peu plus au profil box ou box, attaque équilibrée et couvrir elle. Ça sera vraiment très important pour toi de mettre ce genre d'instruction aux joueurs dans ton équipe. Alors ce qui est important aussi, c'est que bon, on utilise une formation où il y a beaucoup de milieu de terrain. Je trouve que cette année les gars, la clé pour mieux défendre, c'est l'axe. Il faut absolument couvrir l'axe. Nous on utilise une formation avec 4 milieux de terrain, 1 MDC, 2 MC et 1 MOC. On a fait une vidéo tuto sur les formations où on te montre aussi différents types de formations. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker cette vidéo si tu as d'autres questions par rapport à des instructions et à des tactiques perso pour ta formation. Donc maintenant les gars, ça c'est très important de couvrir l'axe. Maintenant on va passer à autre chose, et ça c'est spécifique pour les consoles next gen, c'est à dire PC, Stadia, PS5, Xbox Series SX. Ouais. Tout ce qui est old gen, PS4, Xbox One, c'est pas trop, trop important pour vous, parce qu'il n'y a pas la course longue, les différents types d'accélération. Alors, Lenti, voilà, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Alors là, on va prendre l'exemple de Eder Militao. Son type d'accélération, c'est contrôlé. Mais avec des styles de joueurs que tu peux lui mettre, il peut passer à Lenti. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un joueur a une accélération longue, l'empty, je pense que c'est surtout bénéfique pour les défenseurs. Il va prendre un tout petit peu plus de temps à démarrer, mais par contre, dès qu'il sera en accélération, dès qu'il sera en vitesse max, il sera juste instoppable, il sera juste trop rapide. Donc c'est pour ça que c'est très important pour les défenseurs d'avoir des accélérations longues. Comme ça, tu peux couvrir encore mieux les longs ballons. Comment un joueur il a une accélération longue? Tu peux voir que là, l'agilité de Eder Militao, si on touche rien, c'est 70 et il a 79 de force. Pour qu'un joueur ait une accélération longue, il faut qu'il ait plus de 14 de force comparé à son agilité. Voilà, et aussi il faut que je crois qu'il fasse plus d'1m75, s'il me semble. Voilà, il faut qu'il fasse une certaine taille. Donc là on lui met le style pilier. Là il prend un plus 8, donc là c'est un plus 17 de force par rapport à sa stat d'agilité de base. Il devient donc Lenti. Il devient donc Lenti. C'est la même chose pour Architect, il prend de la force. C'est la même chose pour Canonier, c'est Marksman. Donc voilà, il y a plus 14 de force entre l'agilité et la force. Bah voilà, il aura directement Lenti. Là on va prendre l'exemple de Virgil van Dijk. Il a déjà Lenti de base. Donc s'il a Lenti de base, bon voilà, après peu importe les styles que tu vas lui mettre, là il a en plus. Vincent, si les calculs sont bons. Alors c'est plus 22. Normalement, si tous mes calculs sont bons, les gars. Vincent, il est bien, il est bien. Et aussi une stat que tu dois absolument regarder pour tes défenseurs, pour les choisir. Non, même pas. C'est plus 32, les gars. Plus 32, Vince. Prendre Vincent. Oui, c'est plus 32, les gars. Je me suis dit, il y a un problème, c'est plus 32. Donc voilà. Dommage. Dommage, dommage. Voilà, donc ça c'est la stat la plus importante que tu dois regarder, c'est l'accélération, ce qui est quand même important, mais aussi si un joueur il est lanky, c'est la vitesse. Ensuite, ce que tu dois regarder pour un défenseur, c'est sa stat de réaction.
et de lucidité défensive. Defensive awareness. C'est marquage, lucidité défensive, c'est voilà, ça serait une stat très très importante. Lucidité défensive, également la force, l'agression, toutes les stats de physique et de défense, forcément aussi la stat de calme qui est très importante pour les défenseurs. Donc voilà, ça c'est le petit topo par rapport à tout ça. Maintenant les gars, on va parler des différents clips in-game. Et là, ça sera vraiment très très important que tu suives bien. On va te montrer aussi en ralenti comment nous on réfléchit. Et on va terminer avec des petites séquences de jeu. Donc là, tu peux voir que la clé dans ce FIFA, c'est de bien couvrir. Là, la plupart des personnes auraient fait l'erreur avec le joueur que j'utilise actuellement d'aller tout de suite presser le porteur du ballon, mais ça aurait laissé, tu vois, dans cet angle ici-là, ça aurait laissé beaucoup, beaucoup trop d'espace. Et en un long ballon, il m'aurait eu sur un LB triangle. LB un triangle. Qui est très fort d'ailleurs cette année, donc il faut essayer vraiment de bien couvrir cet angle, ces angles de passe. Et surtout l'axe. Voilà. Et surtout bien couvrir l'angle des passes dans l'axe, parce que c'est vraiment ça la clé dans ce FIFA. Donc tu vois là, je l'ai bien couvert, il n'y avait pas forcément d'angle de passe, il a quand même fait la passe, au final c'était bien couvert par mon autre défenseur. Là également aussi, je couvre avec mon milieu de terrain cette passe là, cet angle de passe là, je le couvre bien tout de suite. Et avec le pressing qu'on va voir dans quelques instants, tu peux voir que tout de suite ça va lui mettre une certaine pression. Et le frérot, il a pas fait la passe là parce qu'il a vu que j'allais intercepter le ballon tout simplement. Donc c'est important de bien couvrir les différents axes de passe. Également ici c'est très très important, cette situation là elle peut te procurer énormément de danger. C'est à dire il est sur le côté, moi ce que j'utilise c'est tout de suite je vais chercher mon latéral gauche. Et aussi avec le pressing, je vais tout de suite essayer de bloquer l'angle de passe. Et tu peux voir que là, tout de suite, il est perdu. Là, si on revient juste ici avant qu'il fasse la passe, ici, tu vois que là, il n'y a aucun angle de passe qui est possible pour lui. Parce que là, je couvre directement là. Là, il y a ce joueur-là qui peut couvrir la palle en profondeur. Et même s'il revient en arrière, imaginons il revient en arrière, bah justement, tu as le deuxième joueur qui va lui mettre une sorte de pressing. Là, sa meilleure option pour notre adversaire, c'était de botter en touche, d'essayer de faire une passe et qu'après ça rebondisse et que ça aille en touche pour qu'il garde le ballon. Malheureusement, il a voulu lancer une passe dans l'axe, ce qui est respectable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Après, derrière, on intercepte le ballon avec Rudiger, si je pense. Ouais, si je pense bien. Ouais, c'est Rudiger ou Tomori qui va l'intercepter. Une petite chose aussi, les gars, si vous voulez changer de joueur. Coup de joystick droit vers la droite, très important, comme ça tu pourras au cas où sélectionner Rudiger ou en tout défenseur qui est juste ici pour pouvoir couvrir l'appel en profondeur. Changement de joueur toujours avec le coup de joystick vers la droite ou vers la gauche, ça dépend dans quel sens tu défends. Donc voilà, ça cette action elle est quand même très importante je trouve. Ensuite une autre action qui est très très importante, on va arriver juste ici. Voilà, je fais un super tacle et on verra ça dans un court instant. C'était très très important. Là, tu peux voir ici, c'est une situation qui est ultra délicate, dans un sens où là, s'il centre, c'est un 2 contre 1. Tu vois, j'ai fait un coup de joystick vers le bas, boum, pour contrôler ce défenseur-là. Là, tu vois que j'appuie toujours sur le pressing pour toujours qu'il y ait une sorte de pression sur le porteur du ballon. Et là, tout de suite, je couvre manuellement l'axe. Très très important les gars de couvrir l'axe, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important cette année sur FIFA 23. Et après derrière, je défends super bien et je récupère le ballon tranquillement. Mais à la base, si on revient ici, c'est une situation qui est quand même très délicate. Voilà. Surtout qu'il joue bien le coup parce qu'il fait la passe au bon moment. Il fait la passe au bon moment, il fait surtout une belle passe. Tu vois, alors genre moi je couvre bien parce que j'essaye de couvrir l'angle de passe. En même temps, si j'ai envie d'appuyer et de faire une certaine pression sur le porteur du ballon pour pas lui laisser un angle de tir. On sait que les angles de tir sur ce FIFA 23 avec les tirs extérieurs, c'est quand même vachement cheaté. Donc voilà, bien couvrir l'axe, c'est très important. Maintenant, une clé pour bien défendre sur ce FIFA 23. Et moi, je l'utilisais pas trop personnellement. Après, Liam, il m'a montré justement ce genre de clip. Et tu verras, en fait, c'est très intéressant. Parce que non seulement ça va te permettre de récupérer la balle d'une belle manière, mais aussi de pouvoir directement réattaquer en faisant une contre-attaque. Très très important, je vais laisser Liam m'expliquer. Alors là, ça s'appelle les tacles appuyés forts ou les tacles glissés forts. Voilà, à toi de voir comment tu l'appelles. Nous, on l'appelle le hard tackle. Donc tu peux mettre en vitesse normale, juste pour montrer, et ensuite après on mettra... Vitesse normale, parfait. Là c'est en vitesse normale, nickel.
tu peux voir en fait que ça fait un tacle glissé, mais ça fait pas un tacle glissé mignon. Ça fait vraiment un vrai tacle glissé bien appuyé, et limite ça laisse même la trace sur la pelouse. Et ça en fait c'est très important, parce que juste si on revoit Liam vite fait en mode normal, je veux bien que tu regardes le ballon après, il atterrit directement vers nous. Dans nos pieds. Dans nos pieds, le ballon il y aura pas de rebond pour l'adversaire, ça va directement sur nous, donc c'est très intéressant après pour lancer des contre-attaques. Mais du coup, comment il faut faire pour faire un tacle glissé fort? T'appuies sur R1 sur PlayStation ou bien RB plus le bouton tacle glissé sur Xbox. R1 tacle glissé PlayStation, RB tacle glissé sur Xbox. Et tu peux voir qu'en fait c'est vraiment un tacle qui est très cheaté, mais attention, tu le fais quand tu es sûr d'avoir le ballon, parce que sinon forcément si le défenseur te dribble, bah tu peux être forcément ça peut laisser dans une mauvaise position, ou de deux tu peux récupérer un carton rouge. Donc voilà, fais-le uniquement quand tu es sûr d'avoir le ballon. Là tu vois la touche de balle de l'adversaire est vraiment mauvaise, donc moi je prends mon défenseur central, boum, tacle glissé appuyé, et tout de suite derrière tu récupères le ballon. Voilà, c'est quand même assez cheaté, assez sympa. La même chose, tacle, tu vois, je peux voir là, j'appuie sur R1, j'appuie aussi sur le jockey, mais voilà, j'appuie sur R1, touche de balle approximative de l'adversaire, boum, tout de suite, et la balle c'est dans la poitrine de Lewandowski. Après ensuite je peux contre-attaquer. Donc voilà, ça c'est assez important, peut-être pas beaucoup de personnes le savaient, mais je trouve que c'est quand même une bonne façon de le dire. Maintenant c'est le L2 plus R2 et tacle. Si on est sur Xbox, LT plus RT plus tacle. Cette année la défense auto est quand même vachement présente, vous allez le voir les gars au fil de l'année, c'est que la défense auto est vachement présente. Donc là on appuie sur L2 plus R2, tu peux voir en haut à gauche là, L2 plus R2, j'appuie même pas sur le bouton tacle, automatiquement le jeu va tacler pour moi. On refait la même chose, L2 plus R2, automatiquement le jeu va tacler à ma place. Là je couvre bien, là c'est vraiment, après j'appuie aussi sur le pressing, mais là regarde encore une fois, j'appuie même pas sur le bouton tacler. Là j'appuie sur le pressing et automatiquement la défense en taux fait que je vais récupérer le ballon. On refait un exemple. Et en fait ça sera important pour toi, parce qu'en plus ça pourra te permettre de changer de direction assez facilement si t'appuies sur L2, R2. Tu vois, parce que si t'accélères avec des défenseurs centraux, surtout qui sont lanti, de temps en temps le changement de direction se fera un peu long. Alors que là le fait que t'appuies sur L2, R2, ça va permettre d'être entre guillemets avec des pas chassés. Donc ça sera très important pour toi défensivement d'appuyer bien sur L2, R2 pour être beaucoup plus maniable avec tes défenseurs. Et comme Liam l'a dit, le jeu va tacler automatiquement et donc après tu récupéreras la balle. Donc ça sera vraiment quelque chose, un aspect défensif très important à savoir maîtriser avec tes défenseurs centraux. Exemple parfait, tu peux voir que là j'appuie sur L2 plus R2, je vais enlever mon bouton L2, je vais juste appuyer sur R2 et regarde comment là c'est Tomori. Donc c'est pas le défenseur central non plus le plus agile, mais c'est pas non plus quelqu'un qui a genre 50 d'agilité, tu vois ce que je veux dire. Donc là tu peux voir, regarde maintenant j'appuie pas sur L2, regarde comment il prend du temps pour tourner. Tu vois, tu n'as pas envie d'avoir ça, parce que là un autre joueur qui est technique et qui s'est mieux attaqué, tout de suite il peut utiliser ce temps, ce petit laps de temps, le temps que Tomori il se retourne pour mieux attaquer. Et on a de la chance que c'était Haaland et pas Neymar par exemple. Ensuite avec L2 R2, tu peux voir que je suis beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, L2 plus R2 pour défendre les gars, c'est quand même très très important, très très cheaté. Là tu peux voir que bon, tout de suite j'appuie même pas sur le bouton tacler, le jeu va automatiquement tacler le ballon. Maintenant une petite erreur à ne pas faire quand tu fais L2 plus R2, on aura tendance, je pense pas mal de personnes auront tendance à juste être un peu plus passif par rapport au L2 plus R2. Je vais te montrer ça dans un instant. Bon là c'est un tacle magnifique. Là c'est l'adversaire qui va faire l'erreur. Regarde bien l'adversaire, il n'est pas assez agressif. Sur ce FIFA 23 les gars, il faut quand même être relativement agressif quand tu défends. Dans les 30 derniers mètres. Dans les 30 derniers mètres, il faut relativement être agressif. Après si tu joues, si ton adversaire joue au ballon juste devant ta surface, il faut être patient, mais il ne faut pas non plus être trop patient et trop passif. Là tu vois mon adversaire, il me laisse beaucoup trop d'espace, il veut couvrir l'angle. Il couvre mal. Il couvre super mal l'angle de passe, il est trop passif dans sa défense. Moi ce que je fais c'est un petit geste technique. On a fait une vidéo tuto geste technique d'ailleurs, n'hésite pas à aller la checker. Donc voilà, après ça laisse beaucoup trop, ça me laisse le temps d'attaquer tranquillement. Donc voilà, l'erreur de mon adversaire c'est qu'il est trop beaucoup trop passif, beaucoup trop laxiste défensivement. Et moi ça me permet de relativiser, de jouer mon jeu, de jouer surtout, en passe. Surtout là en fait cette erreur c'est vraiment là, parce qu'après derrière bon techniquement il faut le sortir le geste technique et avoir le bon feeling par rapport à cette action. Mais en fait c'est que si tu laisses dans les 30 derniers mètres ton adversaire avoir le ballon, faut vraiment bien que tu coupes l'angle de passe.
très important, on revient au premier point de cette vidéo, d'avoir plusieurs milieux de terrain justement pour couvrir l'axe. Parce que là, le trou, il se fait après une fois que tu es dans la surface. Il défend mal, il panique, et après derrière, là, il joue bien le coup, il marque. Donc voilà, l'erreur à ne pas faire. Ensuite, les gars, on va enchaîner sur un sujet qui est très sensible. Ça sera justement le double pressing. Et le pressing, très très important à maîtriser si tu veux devenir meilleur défensivement sur FIFA 23. Alors, le double pressing, qu'est-ce que c'est? Tu vas appuyer deux fois sur la touche R1 ou RB située sur Xbox en phase défensive. Et tu verras qu'alors là, t'as pas non plus un joueur qui va faire le pressing, mais deux joueurs qui vont faire le pressing. J'ai appuyé deux fois sur R1 et tu vois, il y a deux petits triangles verts au-dessus de deux joueurs. C'est mes deux joueurs qui vont faire le pressing. Attention, cette technique-là, il faut absolument l'utiliser que dans les 30 mètres défensifs de l'adversaire. Voilà. Quand tu viens juste de perdre le ballon, justement, pour mettre une sorte de pressing, un peu à la Klopp, à la Liverpool, même de Pep Guardiola, tu vois, dès que tu perds le ballon, tout de suite, ça serait d'essayer de le récupérer au bout des 4-5 secondes. Comme ça, tu pourras mettre une grosse pression sur l'adversaire. Attention, ne le fais pas à partir de la ligne médiale. Absolument à éviter quand c'est les 60 mètres défensifs de ta part. Double pressing. Double pressing. Double deux fois R1. Tu vois, là, j'ai appuyé deux fois sur R1 en haut à gauche. Et là, tu vois, ça couvre aussi dans l'axe. Mais attention, tu vois, à partir d'un moment là, j'ai arrêté dans un sens où ça servait à rien. Et après, je reviens à un seul joueur défensif. Là, tu vois, double R1, tac, tac. Là, il y a deux joueurs. Et tu peux voir que là, ça continue quand même. Attention, t'as une endurance par rapport au juste en haut du joueur. Si je te montre juste ici, t'as une endurance. Le pressing va s'arrêter dès qu'il n'y aura plus de petite force au-dessus du triangle. Donc voilà. Attends, c'est une petite technique. Double pressing, moi j'utilise quand même assez rarement, uniquement dans les 20-30 derniers mètres. À partir d'ici, tu arrêtes de le faire. Ouais. Ici, tu le fais, à gauche, tu ne le fais plus. Maintenant, c'est le pressing R1 avec un seul joueur qui est pour moi très important. Il faut savoir le maîtriser sur FIFA 23. Comme tu peux voir au début de la vidéo, pressing couvre bien et ça va permettre de mettre une petite pression. Ici, tu vois, j'appuie sur R1. Je contrôle manuellement avec le joueur, je mets une pression manuelle avec sur le porteur du ballon dans sa ligne, dans sa surface de réparation. Là, tu peux voir que Jairzinho, j'active le pressing et là, tout de suite, ça va couper l'angle de passe. Et derrière, ce que je fais, je récupère le ballon dans ses 20 mètres et après, ça donne un but. Donc voilà, face, il faut quand même relativement bien maîtriser le pressing avec R1. Ici, tu peux voir que je vais l'activer juste ici. À la base, là, tu vois, il est tranquille pour relancer, entre guillemets, tu vois. Mais comme avec le pressing, je vais lui mettre cette pression-là. Je vais récupérer le ballon et derrière, ça donne but. Donc voilà, ça, c'est un bon exemple du pressing avec R1. Un autre exemple, pressing avec R1, comme on a montré en début de vidéo, je vais pouvoir couvrir manuellement. Ça va te laisser le temps, en fait, ce qui va te permettre de laisser le temps dans cette situation-là, de couvrir manuellement. Après, comme on a vu tout à l'heure, Liam, il défend bien et il récupère bien le ballon. Donc ça sera très intéressant pour toi, justement, quand tu sens que tu as un petit peu de retard. Quand tu sens que tu n'es pas dans une meilleure déposition pour défendre, bah tu actives ça et ça va te permettre en fait de rééquilibrer les choses défensivement. Et justement dans cette action-là, imaginons Liam, il aurait continué de se livrer avec le défenseur qu'il utilise avec la flèche rouge. Bah là, il y aurait un trou de malade comme pas possible. Jordi Alba, il aurait pu lancer en profondeur. Après, derrière, il y a eu sûrement un contrat. Par contre, là, Liam, ce qu'il fait, c'est qu'il va couvrir, comme on a vu en tout début de vidéo. Et il va faire le double pressing après derrière. Ce qui va le pressing. Le pressing, pardon, ce qui va te permettre après à Liam de bien récupérer le ballon. Parce que justement, il sera pas dans le jus, entre guillemets. Il sera dans une meilleure possession pour défendre. Donc ça sera très important d'utiliser le R1 pressing. Très important, toujours essayer de couvrir les longs ballons. Voilà, il a R9 en pointe, c'était une draft. Toujours essayer de couvrir les longs ballons. Vraiment les gars, couvrez le long ballon, c'est le truc le plus important. Moi, comme tu peux voir, je vais pas me presser, je vais être patient, je vais le laisser peut-être faire la passe, mais au moins je vais couvrir la longue passe. Et ça, c'est important. Donc voilà, faut bien utiliser le pressing. Il y a plusieurs techniques pour l'utiliser, à toi de bien le maîtriser. Mais vraiment, dans ces situations-là, appuie sur R1, pas trop longtemps et pas non plus trop dans ta endurance. Il y aura une endurance, comme on a vu après avec le double pressing. Bon, ensuite, les gars, le prochain point, ça sera les mind game défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est FIFA, c'est un jeu en ligne, donc forcément, faut essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire. Voilà, je pense que c'est la chose la plus importante pour bien défendre cette année, c'est essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire, de bien couvrir, d'essayer d'anticiper ce qu'il va faire. Exactement. Là, ce que je vais faire, c'est l'exemple, on court avec pressing R1, je sais qu'il allait faire la passe. Je savais qu'il allait faire la passe en profondeur. Donc ce que je fais, je sais qu'il fait ça. Il n'a pas d'autre solution.
Donc moi je recule avec mon joueur, je couvre au maximum, ce qui est quand même très très important et c'est bien récupéré de ma part. Également ici, tu peux voir que c'est une situation qui est très délicate. Bon, ça, c'est un peu risqué ce que j'ai fait, mais tu peux voir que je sais que lui, il va partir. Et je sais que Ronaldo, il voudra lui remettre. Donc ce que j'ai fait, avec Rudiger, j'ai tout de suite essayé de couvrir dans le jeu de passe, encore une fois. Parce que là, ce qui est important, c'est que tu vois là, je sais qu'il peut toujours aller tout droit avec son R9. Mais moi, je sais que là, s'il lui refait cette passe-là, il aura une option, il aura un 2 contre 1 à gérer. Et tu peux voir en fait que justement, il a lancé en profondeur son joueur qui était en bas à droite. Parce que justement, le joueur qui vient de lâcher le ballon, il montre, il pointe du doigt qu'il va faire l'appel devant. Et donc en fait, tu sais que dès qu'il y aura ce genre d'attitude de l'attaquant, c'est-à-dire qu'il va partir tout droit en profondeur. Et donc du coup, ça va potentiellement être une passe téléphonée. Dès qu'il y a un appel de balle comme ça, tu sais que généralement, le joueur l'a vu. Parce que tu l'as vu. Et donc du coup, ça sera plus facilement anticipé de ta part si justement tu prends un petit risque d'anticiper cette petite passe-là. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même bien joué défensivement de la part de Liam. C'était une belle anticipation. Ensuite, maintenant les gars, piège du hors-jeu sur l'engagement. Très très important les gars, je vais vous le répéter sûrement plusieurs fois dans l'année, mais à chaque fois que tu marques un but, il faut que tu restes ultra concentré parce que cette année sur FIFA 23, il y a quelque chose qui se passe à l'engagement, il faut absolument bien défendre à la 45e, à la 90e et surtout à l'engagement. Là, ce que je te montre, c'est que j'ai fait piège du hors-jeu. Comment on fait le piège du hors-jeu? Je vais te montrer ça dans un instant, juste tu peux voir la belle petite finition. Comment on fait le piège du hors-jeu? Avec les touches directionnelles, tu peux voir ici, je vais appuyer deux fois vers le bas, tac tac, et en bas, ça va faire piège du hors-jeu. Ce qui va permettre à ma ligne défensive, à mes quatre défenseurs, de monter d'un cran, de ne pas être statique, et tout de suite être beaucoup plus réactif parce qu'on va faire une défense active. Après, le frérot là, il a mal géré son coup avec R9, mais tu vois, avec le piège du hors-jeu, ma défense là, elle va tout de suite monter d'un cran. Tu peux voir, et comme ça ils sont actifs et je fais une défense qui va être relativement plus haut sur le terrain pour tout de suite couper l'espace entre les milieux et la défense. C'est souvent là où ça crée du danger par rapport à l'engagement. Et l'autre manière aussi d'éviter des buts que tu te prends à l'engagement, ce sera de faire une faute tout de suite. Tu peux donc voilà mettre la... Faire un tacle R1, un tacle à appuyer, glisser, comme ça tu peux voir. Exactement. C'est bien. Là il a fait une grosse erreur le frérot, c'est qu'il a paniqué. Là il a mal géré son coup. Et derrière, regardez les gars comment il va essayer de changer de joueur avec L1. Il a fait déjà 3 changements de joueur en l'espace d'une seconde parce qu'il ne sait pas bien défendre. Et aussi, au dernier moment, il a sûrement changé de joueur avec son stick droit, mais ça sera beaucoup trop tard. Ici, tu vois, mais c'était beaucoup trop tard. Lewandowski, il a déjà fait l'appel en profondeur et je vais déjà le servir tranquillement. Tu vois, là, c'est très mal joué de sa part parce que là, il aurait dû couvrir ici. Tu vois, mais au final, il va changer de joueur. Et derrière. Ce qui laisse un espace improbable. Et quand tu t'appelles Lewandowski, quand tu es entre guillemets face au but, tu as juste à lober et tu marques. Voilà, ça serait très intéressant pour toi de savoir faire le piège du hors-jeu. Et après, derrière la faute, si tu veux pas te prendre le but à l'engagement qui est très frustrant, on est d'accord. Ce clip, il est très intéressant parce que tu peux voir aussi les erreurs à ne pas faire qu'on t'a montré il y a quelques instants. Maintenant, également, pour bien défendre sur FIFA 23, il faut bien gérer le goal. Là, tu peux voir que je défends très mal, je tacle très très mauvais. Mais c'était pour cette situation, je voulais te montrer une chose. Je savais qu'il allait partir en profondeur avec R9. Regarde, à partir de ce moment-là, je sais qu'il va jouer son face-à-face. C'est R9 en face, il est ultra rapide. Rudiger est très rapide aussi, surtout avec la course longue, mais je ne vais pas pouvoir le rattraper. À partir de ce moment-là, je sais que, tu vois, mon goal, il n'a pas encore bougé. Mais je vais appuyer sur triangle, je vais appuyer sur Y, si tu es sur Xbox. Et je vais sortir mon goal. Là, ça l'a surpris. Il a lobé. Les lobes cette année sont quand même vachement moins cheatés que les années précédentes, ça va souvent taper la barre transversale. On a eu de la chance que ça tape la barre. On a eu de la chance que ça tape la barre, mais voilà, je l'ai quand même un petit peu surpris. Il a pas pu faire un tir normal, il a fait un tir lobé. Donc voilà, si tu vois que c'est vraiment la situation de rescousse, tu appuies sur triangle pour faire sortir le goal. La plupart du temps, ça va surprendre le joueur. Un très bon joueur, il va voir que tu auras sorti le goal, il va te lober ou il va l'enrouler. Il y a des chances que ça fasse but, mais quand même garde ça en tête que tu peux surprendre l'adversaire en appuyant sur triangle en sortant. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, pour bouger le goal, tu peux voir que tu appuies sur le joystick droit, tu appuies, tu restes, tu maintiens et tu bouges dans la direction que tu veux. Là, par exemple, Vincent, il est avec le goal, ou moi je suis avec le goal. On va essayer de couvrir l'angle côté opposé, tir croisé, et tu peux voir que Donnarumma va faire un ou deux pas. Mais ça va être suffisant pour aller sortir le ballon. Donc voilà, bien maîtriser ça également sur corner.
Corner, les gars, c'est très important de bouger un tout petit peu le goal. Attention, si tu peux voir que le joueur peut faire un corner rentrant, ne le sors pas vers le point de pénalty. Parce qu'un joueur qui sait maîtriser un corner direct, il peut te mettre un but. Mais un ou deux pas, trois maximum, comme ça tu peux couvrir le centre qui va en couler, voilà, qui va se passer. Si tu vois que c'est un corner qui est sortant, donc un gaucher qui tire côté droit, l'effet de balle ça va être comme ça, là tu peux sortir un peu plus le goal. Mais attention, si c'est un corner rentrant, ne le sors pas trop, parce que sinon tu peux te prendre un but corner direct et c'est un peu relou. Voilà, également tu peux voir qu'on a bien bougé le goal. Et en fait, il faudra savoir bouger le goal aussi, parce que dans les tirs de loin avec les extérieurs, etc., c'est très cheaté. Donc en fait, il faudrait essayer d'anticiper, de bouger le goal, parce que les bons adversaires, ils pourront taper des frappes de loin, des extérieurs, des enroulés. Mais toi, si tu as l'avantage même d'une demi-seconde où tu as la réaction de bouger ton goal, tu verras que ça sera généralement arrêté. Donc ça sera très important pour toi de savoir anticiper avec le gardien, justement de le faire sortir pour éviter le 1v1 et pour surprendre ton adversaire, mais aussi au niveau des tirs de loin et le positionnement du goal au niveau des arrêts. Pour conclure cette vidéo, les gars, on va vous montrer un petit clip décortiqué par notre ami Liam. Alors les gars, pour moi ce clip il est très important, parce que des fois tu peux bien faire sur FIFA 23, mais tu peux quand même te prendre un but par rapport au rebond. Donc c'est pour ça que la défense sur FIFA 23, c'est important de maîtriser tout ça. Mais tu peux voir que lorsque le jeu veut pas que tu récupères le ballon, bah tu vas pas récupérer le ballon. Là c'est déjà le premier tacle que je fais où je dois récupérer le ballon avec Rudiger, je le fais pas, je bouge le goal, j'ai de la chance, je récupère le ballon. Là c'est je perds 2-1, c'est la 67e minute de jeu, je veux quand même essayer de retourner au score. Tu peux voir que le frérot il défend bien, il défend très très bien, force à lui. Mais là tu vois, il a déjà un contre au début d'action, là un deuxième contre où je peux pas récupérer le ballon, là un troisième contre, pourtant je fais bien les choses, hein. Trois fois que je dois récupérer le ballon, je récupère pas, et derrière le frérot il joue très très bien. Moi je me livre parce que moi c'est la fin de match, j'ai absolument besoin de marquer, et tu peux voir que là je dois récupérer le ballon. Une quatrième fois, je récupère pas. Et là, forcément, ça crée un décalage. Et là, il me marque le but. Donc là, cette action, pour moi, elle est importante. De vous montrer ça, c'est que des fois, tu peux bien faire les choses. Mais si le jeu veut pas que tu récupères le ballon, tu vas pas récupérer le ballon. Donc voilà, quand ça t'arrive, quand tu es en match et que tu vois que c'est quelque chose qui se passe pour toi, fais tout de suite une faute. Essaye de tout de suite couper le jeu. Voilà, fais une faute de boucher. Ne prends pas rouge. Ne fais pas un tacle par derrière si t'es un dernier défenseur. Mais essaye, voilà, de faire une petite faute intelligente pour récupérer, pour couper net l'action. Également, notre petit tips qu'on utilise, les gars, pour défendre sur FIFA 23, essaye de défendre en bloc. C'est-à-dire, d'abord, c'est tes attaquants qui défendent, puis tes milieux de terrain, puis tes défenseurs, puis le gardien. Voilà. Ne va pas t'amuser à changer la position de tes défenseurs, justement, pour mieux défendre. On a vu, justement, avec l'action du hors-jeu, justement, de l'engagement, que le frérot, une fois qu'il avait sorti son défenseur piège du hors-jeu, bah, tout de suite, il y avait but, et c'était l'action, exactement, c'était cette action-là. Le frérot, au lieu de prendre son milieu de terrain, il a tout de suite pris son défenseur. Après, d'ailleurs, ça a créé des trous, il a paniqué. Et après, il a mal géré son coup, et donc du coup, ça nous a laissé l'opportunité de marquer parce qu'il a sorti son défenseur central. Donc voilà, très important pour toi de bien savoir défendre avec tes attaquants et des milieux. Tu défends avec tes attaquants avec le double pressing. Dès que tu perds le ballon, double pressing. Si tu vois que ton adversaire a déjà effacé ce double pressing, tu fais pressing avec R1. C'est important. Maintenant, dans cette situation-là, si tu vois que les attaquants, ils sont finito, tes milieux de terrain sont de finito, ensuite tu vas couvrir avec tes défenseurs centraux. Essaye, si tu veux te livrer, de te livrer lorsque tu utilises tes latéraux. Tu peux voir dans cette situation là, j'utilise Hakuna qui est mon défenseur gauche juste ici. J'utilise pas Tomori pour faire le pressing. Non, j'utilise mon latéral gauche, c'est avec lui que je vais être un peu plus agressif. Et ensuite, pour dernière escousse, tu utilises tes défenseurs centraux et puis ton gardien pour bien défendre. Donc voilà les gars, c'est important. D'abord tes attaquants, tes milieux de terrain, puis tes défenseurs, puis ton gardien. Très important les gars. J'espère que vous avez kiffé ce petit tuto défense FIFA 23. J'ai essayé de récupérer quelques clips par-ci par-là pour vous montrer comment moi je défends, comment je réfléchis quand je défends. Donc voilà, c'était très instinctif. Pour comme ça, toi aussi, tu peux t'améliorer sur ce FIFA 23 et surtout essayer de mieux défendre sur FIFA 23, parce que c'est quand même un jeu où tu dois être patient défensivement. Tu dois être agressif. Voilà, ça doit être une défense qui doit être agressif.
mais aussi il faut être patient dans son jeu et bien défendre sur FIFA 23. C'est un art. C'est un art et ça prend du temps. C'est pas en un match tu vas pouvoir mieux défendre sur FIFA 23. Voilà, c'est petit à petit, tu verras que tu vas t'améliorer. Essaye d'appliquer tous les petits conseils qu'on vient de te montrer et tu verras que tu vas mieux défendre sur FIFA 23. Sur ce, les frérots, moi c'est Liam. Moi c'est Vincent. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos FIFA 23. N'hésite pas à checker notre tuto, gestes, techniques aussi si tu veux mieux attaquer sur FIFA 23, très important parce que si tu sais bien gérer les gestes techniques, tu verras que ce sera plus facile à les défendre. Sur ce les frérots, bonne journée et bon courage sur ce FUT Champions League sur FIFA 23. Ciao, ciao.